Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus. Au menu aujourd'hui, une nouvelle partie contre Boogie. Cette fois-ci, Osroom va affronter Sloan. On va donc avoir un affrontement entre deux gunlines. Celle du Signar, c'est plutôt une très forte alpha, alors que la mercenaire est plutôt résistante et joue sur l'attrition à long terme, bien que la menace de KTC soit toujours réelle. Boogie gagne le premier jet et choisit de commencer. Je vais choisir le côté avec la tranchée pour abriter mon caster. Mais avant de commencer, un petit message personnel de Boogie. C'est good, c'est good. Je t'en ai dit, mais c'est bon. Tu as pu le décrire ici, pourtant on en a un peu plus longtemps que la fin, les gars. Nous dédions donc cette partie à la maman de Boogie. Des bisous. Le premier tour de Boogie est assez classique, il va avancer vite pour occuper le terrain. Les commandos sont un vrai problème à cause de leur stealth et ils peuvent bien gérer mon infanterie. Les rangers sont aussi un souci, pas tant parce que c'est une unité de tir, mais parce qu'ils vont donner un bonus de plus de haut toucher à tout le reste de l'armée. Je peux pas les laisser survivre trop longtemps. À noter que la proie de mes Hydrians était un hunter qui était situé face à eux, et comme prévu, celui-ci va changer de flanc pour s'éloigner. Quand je commence mon tour, je sais que Boogie va fiter au prochain tour, et donc que je vais me prendre pas mal de dégâts. J'hésite à utiliser mon feat pour donner plus 3 en armure à tous les reliques qui sont à 12 pas d'Osroom. Mais finalement, je ne vais pas le faire, parce que la deuxième partie du feat, c'est de donner plus 3 en mouvement, notamment mon battle group, et j'ai envie de garder cette possibilité pour tenter un KTC si jamais Karas avance un petit peu trop. Je vais donc être patient et subir la foudre au prochain tour. En attendant, je vais commencer l'attrition. Donc alors ça va être notamment des galettes qui vont être lancées par les artilleries. Ça va être assez payant, je vais enlever 3-4 commandos et 3 rangers. Ça aurait pu être beaucoup plus payant si je m'étais pas rappelé seulement à la fin du tour que Reynold pouvait enlever le stealth à une figurine. Comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, j'ai choisi d'être très agressif avec mon infanterie, que ce soit en noyant la zone du haut avec mes Hydrians qui ont reçu leur go to ground, ou avec mes Khaleesi Eliminators qui sont au centre et dans la tranchée. Le but du jeu, c'est de l'obliger à gérer l'infanterie, sinon je vais aller m'occuper de Kara et de ses soutiens. Ça devrait éviter quelques tirs à mes Jacks. Comme prévu, le tour 2 sera le tour du feed pour Kara. Mais avant que le show ne commence, Boogie prépare le terrain, notamment avec l'arrivée d'Anastasia que vous venez de voir qui va tuer mon guide. Ça va enlever la proie à mes Hydrians, ça c'est pas top. Puis c'est au tour des Rangers de se mettre en position pour donner leur plus de haut touché au maximum de ces figurines. Ils vont aussi en profiter pour faire quelques tirs sur mes Khaleesi et sur mes Hydrians. Puis ça va être au tour des commandos d'entrer dans la danse. Au final, je vais pas subir tant que ça de pertes parmi les Hydrians. Par contre, chacune de mes unités d'Eliminator va perdre un membre, ce qui va les rendre quand même moins efficaces. Boogie aura tout de même la gentillesse de se faire quelques pertes collatérales, notamment sur ce lancer de grenade qui va faire quelques dégâts à un Eliminator, mais qui va surtout tuer un commando. Il y a encore quelques tirs qui sont faits, puis c'est au tour du Captain Gunmage Adept d'entrer dans le jeu. Il va tuer un Eliminator dans la tranchée. Alors je suis désolé de perdre l'Eliminator, mais par contre je suis content que le Captain Gunmage se soit avancé. Ça va être une cible prioritaire, notamment à cause de son tir Shadowfire, qui peut faciliter grandement l'assassinat par Kara. En parlant de Kara, elle va claquer son feed, ses Jacks vont tirer sur les miens, mais au final, je ne perdrai que le blaster et un gunner. C'est dommage pour le blaster parce qu'il pouvait faire une belle brochette de commando avec son spray, mais je vais pas me plaindre, j'ai perdu que deux Jacks légers sur le feed de Kara. Ça va être à mon tour de riposter. La proxy base que vous voyez, c'est pour voir si je peux tenter un assassinat sur Kara en utilisant mes deux artilleries. Il y en a une avec Snipe, l'autre avec Fire for Effect. Je regarde si en jonglant Fire for Effect avec les deux, je peux faire quelque chose. Mais malheureusement, ça va pas être possible. Je vais donc partir pour l'attrition. Je vais commencer par avancer une artillerie qui va faire quelques dégâts. Puis ça va être au tour des éliminateurs d'entrer en lice. Ils vont finir de nettoyer le centre. J'enchaîne sur Osroom qui va utiliser son feat et qui va se planquer dans la tranchée. Je vais avancer ma deuxième artillerie et commencer à nettoyer le support. Donc pour ça, je vais prendre pour cible un Hunter et ça va me permettre d'avoir les Rangers qui sont autour. Le Capitaine Gunmage, lui, a déjà été éliminé par Osroom. Je vais donc pouvoir tranquillement mettre le Rockram devant mon caster. Je vais envoyer aussi après le Tinker pour compléter le blocage des lignes de vue. Et sur mon flanc droit, j'ai trois gunners qui vont tirer sur un Hunter, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le finir, par contre, il sera bien abîmé.
Enfin, les Hydrians vont finir de nettoyer les commandos et éliminer Anastasia. On pourrait plutôt dire qu'ils échouent à les finir puisqu'il va rester un commando qui a réussi son jet de toff. Quand Bucky commence son tour, il a du retard à l'attrition et je ne pense pas qu'il va vraiment pouvoir revenir. Une fois l'infanterie partie, sa liste manque tout simplement de volume d'attaque. La solution la plus viable pour lui, à mon avis, ça va être l'assassinat. Il va donc falloir que je m'en protège le mieux possible. Au final, lors de ce tour, je vais perdre un éliminator, donc il ne va plus m'en rester qu'un seul. J'ai le gunner qui n'est pas peint tout en bas, qui va être bien abîmé par son hunter. Je vais subir quelques dégâts autrement sur les jacks, mais vraiment rien de très très grave. L'objectif de mon prochain tour va être d'essayer d'enfoncer le clou à l'attrition et de commencer à marquer au scénario. Il faut aussi que je garde un œil sur l'Ironclad qui est tout en haut, histoire que je me fasse pas avoir par un petit trémor pour une petite tentative d'assassinat. Je vais avoir deux cibles au niveau de l'attrition, le Defender qui est sur la colline et le Hunter qui est tout en bas et qui conteste la zone. Pour m'occuper du Defender, j'ai commencé par un assaut du Rock Ram, donc j'ai touché le Defender et je l'ai mis KO, ça va être plus simple pour les autres tirs. Je le finirai avec mes deux artilleries Osroom et un tir de Gunner. Le Hunter du bas, lui, il va réchapper à deux tirs de Gunner, donc je ne marquerai pas deux points ce tour-ci. Et enfin, je vais terminer les commandos et éliminer Ayana avec l'Eliminator qui va mettre un petit pied sur la colline grâce à Sidestep. Boogie commence à avoir de moins en moins de ressources disponibles. Boogie réfléchit à l'assassinat, mais ça va pas être évident, surtout qu'il a le Hunter du bas qui n'a plus de cortex. Il va s'occuper du Rockram, mais je vais avoir pas mal de chance et les dégâts vont être bien répartis, donc je vais pas perdre de système. Puis il va faire courir Holt pour engager deux de mes gunners, sachant que le troisième, celui qui est pas peint, c'est quasiment une épave. Il va aussi éliminer le dernier de mes éliminatoires. Et il va avancer l'Ironclad pour qu'il vienne menacer Osroom. Alors qu'Osroom n'a rien demandé à personne, il est peinard dans sa tranchée, il veut juste rester tranquille. Alors là, on a une petite pause règle. Pour vous faire patienter, je vous propose un message à caractère informatif d'une guest star. C'était vraiment très intéressant. Le point de règle en fait concernait l'obstacle, c'était pour savoir s'il empêchait mes troupes de voir Kara qui était sur la colline. On a statué que oui, en fait, il faut savoir que c'est non. Un obstacle ne gêne que avec sa hauteur. En fait. Donc je ne vais pas aller au QTC, mais ah, excusez-moi, on m'annonce qu'un autre guest a un message à vous faire passer. C'est à toi, Guigui Scout. C'était vraiment très intéressant. Donc comme je le disais, je vais pas aller au KTC, je vais continuer l'attrition. Ma cible cette fois-ci, ça va être l'Ironclad. Je vais utiliser Energizer pour faire retourner le Rockram. Il va lancer un assaut sur l'Ironclad, lui faire pas mal de dégâts et je le finirai après. Le Hunter du bas, quant à lui, continue toujours à survivre envers et contre tout. Je ne marquerai donc qu'un point en contrôlant la zone du haut. Boogie sent que ça va être son dernier tour, donc il va essayer de mettre en place un KTC. Reynolds, qui a survécu à mes deux artilleries le tour précédent, s'avance près de Kara pour lui donner un tir supplémentaire. Puis Arlan utilise son spray pour essayer d'enlever l'écran devant Osroom. Il va réussir à tuer mon Reynolds, ce qui va lui donner une petite ouverture. Holt va essayer d'en profiter, mais il va se faire tuer par un freeze strike de Gunner. Heureusement qu'il ne lui restait qu'un point de vie. Donc Murdoch va essayer de faire pareil, puis un Hunter, et enfin Kara, mais ça ne suffira pas. Osroom avait quand même une défense de 18 et quelques points de focus. On décidera d'arrêter la partie après cette action. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à bientôt. We are poor little lambs who have lost